Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable, the four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me, so that hope will not fade away. Once, people tried to round up the undead and hide them away from the world. They thought that imprisoning the undead would solve the problem. They created a towering bastille to contain them, but in the end, it did no good. The lost sinner lives deep within the bastille. The fool, trying to light the first flame. Why do people try so hard to be beautiful? We cats are born beautiful, of course. The human ego. How many ugly iron castles has it erected? And they don't even see the folly of their ways. But that's what makes watching humankind so delightful. It reminds me of someone who lived long ago. A vainglorious liar who ended up hurling himself into the flames. Now he's Icarus Earth, if I'm not mistaken. Men develop the most peculiar fascinations. Sometimes their fascinations seem to take control. Till there's very little man left. Oh, it's like that awful traitor long ago. He coveted what he did not have, and it drove him mad. What a curious conundrum. The writhing ruin keeps searching as we speak. Searching for its heart's desire. You've seen that gaping hole here? Well, there's nasty little vermin down there. Although who you seek is even further below. And has been down there for a very, very long time. He's plumb rotten by now, I'm sure. You are blessed with a myriad of souls. Bearer of the curse, make your way to the castle. This castle is isolated. But nonetheless, you must forge on. To bring an end to your journey and mine. Who are you? And by whose permission do you stand before me? Should I fight against my fate? Or is it already too late? Will I be released from this prison of eternity? To see the end.
Cette interpellation venait de cette étrange apparition fantomatique. This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness, where has he gone? You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Velagar. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the king has... The queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Dranlake. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean and defeated the giants with the queen at his side. The king commandeered their power and created the golems. With the golems, the king created this castle. To celebrate victory, and to show his love and his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark. Is this some sort of a dream? Where am I? What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? Welcome, visitor. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Tell me if you should require anything. Gone so soon? Be safe on your travels. Ce fantôme n'avait clairement plus toute sa tête. Le temps passé, coincé en ces lieux, avait eu raison de son esprit. Mais les nouvelles qu'il annonçait à Lokar laissaient ce dernier encore plus perdu, et le mort-vivant se demandait s'il arriverait un jour au bout de sa quête. Lokar se tailla un chemin au travers du château, combattant moult gardes royaux devenus carcasses avec le temps, cherchant une issue au milieu de toutes ces portes verrouillées. Le roi était forcément quelque part, il devait le trouver. Peut-être qu'en trouvant la reine, il pourrait plus facilement retrouver Vendrick. L'obscurité des souterrains ne le rassurait point. Ces golems ressemblaient trait pour trait à ceux de l'entrée du château. Si Lokar pouvait les nourrir, ils activeraient peut-être un mécanisme caché. Il y avait également ces portes étranges à la conception intrigante. Les statues présentes devant chaque porte n'en étaient pas. Il s'agissait de carcasses que l'immobilisme avait transformées en pierre. Visiblement, ces golems n'avaient d'autre utilité que d'illuminer les lieux. Ils avaient toutefois donné une idée à Lokar. Les portes fonctionnaient sûrement de la même manière.
C'était bien cela, le car allait pouvoir poursuivre sa route, mais c'était sans compter le danger qui se trouvait derrière cette porte. Ce soldat de pierre était bien trop proche de l'autre porte, et les craintes de Lockhart s'avérèrent justes. Ces sentinelles étaient en bien meilleur état que leurs camarades de la forteresse oubliée. Il restait beaucoup trop de soldats de pierre qui n'avaient pas été réveillés, mais également de nombreuses portes étaient toujours closes, refermant sûrement une quelconque monstruosité. Lockhart était obligé de battre en retraite, il allait bientôt se retrouver acculé. Quelle chance pour Lockhart qui pouvait profiter d'un bref répit. Il devait rester sur ses gardes, mais seule cette sentinelle l'avait suivi et l'endroit ne semblait pas comporter de danger supplémentaire. Le combat allait être bien plus simple. Ressortir d'ici allait être délicat, mais pas impossible. Mais les créatures qu'il avait laissées derrière lui attendaient sûrement de le voir remonter laborieusement pour le cueillir comme un fruit. Autant attendre qu'elles se lassent et explorer les lieux. Voilà encore une rencontre des plus inattendues. Pour la troisième fois, ce vieillard apparaissait mystérieusement devant Lockhart. We meet again, young undead. You have the look of a true seeker. I am Dark Diver Grandal, seeker of dark, giver of dark. If you seek true dark, I will grant it to you, as much as you desire. Well then, is dark what you wish for? Lockhart hésitait. Il n'était pas venu ici pour suivre cet étrange vieillard, mais il se sentait appelé. Les grandes âmes et ses visions de la première flamme lui octroyaient une compréhension supérieure, mais les ténèbres restaient un mystère pour lui. Le maître en maléfice l'ayant initié ne fut pas d'une grande utilité sur ce sujet, mais c'était surtout la déclaration du chancelier Velager à l'entrée du château qui le fit se décider. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep. It was like the dark. Il devait comprendre les ténèbres comme le feu. Il pressentait que cela allait être nécessaire. There you are. You are now a pilgrim of dark. The dark chasm beckons you. Those drawn to the dark are destined to seek it. Finally, you are here, young undead. Now, open the depths of darkness. Young undead, the dark awaits you. The embrace of the dark is gentle. Let it absorb your sorrows forever. May the dark shine your way. Voilà donc comment cet homme en fauteuil roulant pouvait se déplacer dans ces endroits improbables. Lockhart appréhendait grandement ce qu'il allait pouvoir trouver de l'autre côté. Lockhart ressentait la caresse des ténèbres tout autour de lui. Il ressentait une forme de quiétude, mais les lieux restaient oppressants. D'autres individus étaient là, d'autres pèlerins, et visiblement il était coutume de s'attaquer à tous ceux qui se présentaient ici. Le gouffre obscur était un endroit cruel.
Il était tout ce qui restait d'un lieu ancien, habité par une force ancestrale qui avait un jour cherché à engloutir le monde dans les ténèbres. Au milieu des combats, Lokar n'avait pas eu le temps de remarquer cette coupe. Elle était remplie de combustible et prête à être allumée. Lokar se mit à agir instinctivement. La chaleureuse flamme illuminant la caverne dissipa les ténèbres proches pour mieux renforcer celle qui était à l'abri de son influence. Lokar commença à ressentir une plus grande quiétude tandis que la caresse des ténèbres se faisait plus douce. Allumer cette flamme conféra à Lokar un droit d'accès aux parties plus profondes du gouffre. Le mort-vivant restait quelque peu réticent à l'idée de plonger littéralement au cœur des ténèbres, mais il s'agissait de la seule issue. Young undead, the dark beset upon you runs deeper than I had imagined. Let us see just how much dark you can endure. You have seen dark that has existed from times long past. What once was a great void of darkness became but fragments. But slowly, the scattered fragments grew, absorbing all things. It is we who will be pilgrims to these sacred sites. The mouth to the dark chasm is not normally open. If you seek the dark, young undead, you must offer a human effigy. Comme le disait le vieillard, Lokar n'avait qu'entrevu les ténèbres lors de ce premier voyage, aussi paya-t-il son droit de passage sans hésiter. Young undead, may the dark shine your way. Cette région plus profonde du gouffre obscur lui faisait encore plus ressentir la caresse des ténèbres, et encore une fois, nombre de pèlerins ne semblaient pas apprécier sa présence. Entre deux combats, Lokar choisit de s'aventurer dans les zones les plus sombres, toujours à la recherche du savoir et de la compréhension qui lui manquaient. Ce qu'il trouva n'était peut-être pas à la hauteur de ses attentes, mais restait très appréciable. Après tout, il n'était pas encore au plus profond du gouffre, il ne pouvait pas encore espérer s'investir des ténèbres et les comprendre alors qu'il n'avait fait que la moitié de son pèlerinage. Voilà qui allait le mener vers son but. Il avait trouvé le bon chemin. Il ne s'était toujours pas fait à l'idée de se jeter corps et âme dans les ténèbres. Sauter dans ce trou restait, quoi qu'on en dise, une histoire de fou. L'aura ténébreuse des lieux était encore plus forte désormais.
Lockhart touchait presque au but. La caresse des ténèbres lui inspirait une paix de l'âme profonde, et il arpentait ces lieux avec une sérénité en complet décalage avec ce qu'il s'apprêtait à vivre. Ce monstre était bien plus effrayant que tous les autres pèlerins. Le combat n'allait pas être simple. Lockhart devait se ressaisir. La quiétude qu'il ressentait lui faisait baisser sa garde. Un nouvel adversaire, bien moins impressionnant. Ce combat à armes égales ne devrait pas poser autant de soucis que le précédent. Lockhart n'avait rien vu venir. Alors qu'il avait pris conscience du danger induit par la tranquillité qu'il ressentait, il s'était laissé avoir bêtement. Heureusement pour lui, il n'était pas pauvre en effigie humaine et Grandal accepta de rouvrir l'accès au gouffre là où il était tombé. May the dark shine your way. Cette fois-ci, il ne se laisserait plus avoir. Il avait bien fait de chercher à prendre sa revanche. Il y avait un accès dans l'obscurité qui renfermait une nouvelle coupe à allumer. Il ne restait plus qu'un unique adversaire le séparant de la sortie. Ce qu'il ressentait émanant de ce trou n'était absolument pas la quiétude induite par la caresse des ténèbres. Il ressentait toujours ces ténèbres, mais de façon plus brute, plus oppressante et affamée. Il y avait là en bas une entité bien plus terrible que les pèlerins.
En des temps immémoriaux, les abysses tentèrent d'engloutir le monde avant d'être stoppés. Défaite et dispersée, cette dimension donna naissance au gouffre obscur et à une entité qui resta cachée aux yeux du monde. L'existence même du rôdeur sombre était inconnue de la plupart des pèlerins. Lokar avait devant lui un exemple des perversions que peuvent engendrer les ténèbres. La sérénité et la paix offertes par les ténèbres font partie intégrante de l'humanité, de même que ses sentiments les plus primitifs comme la colère. Et ces émotions négatives peuvent corrompre et déformer l'influence des ténèbres, créant des monstruosités. Lokar avait enfin vu les ténèbres, il avait à la fois ressenti ce qu'elles pouvaient apporter de bon, mais aussi le danger qu'elles pouvaient représenter. The dark
is gentle. Let it absorb your sorrows forever. May the dark shine your way. Ce détour imprévu dans sa quête du roi était finalement positif. Il allait pouvoir ressortir de sa cachette. Ses adversaires étaient partis, mais il devait encore trouver la sortie. L'une de ces portes menait sûrement vers d'autres sections du château. Oui, celle-ci était la bonne. Autant éviter de prendre plus de risques et de retomber sur des sentinelles. Si ce chemin finissait en cul-de-sac, il pourrait toujours essayer une autre porte. Ce chemin le menait sur les hauteurs. Il progressait enfin, même s'il rencontrait une certaine résistance de la part de ce qu'il restait de la garde royale. Voilà donc le visage de la reine, se dit Lokar en voyant ce tableau. Il voulut l'observer de plus près et sentit son humanité se faire absorber comme par ces jarres ténébreuses dans les ruines de l'ombre. Quelque chose n'allait pas avec cette reine. Il poursuivit sa progression, montant toujours plus haut sur les remparts avant d'enfin faire l'une des rencontres qu'il attendait. You have fought admirably on your journey, cursed undead.